Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Notre invité, le rappeur tunisiano, membre du groupe Sniper. Bonsoir. Avec lui, nous allons évoquer le thème du jour. Le rap serait-il une menace pour la société? C'est ce que pensent certains politiques qui ont trouvé pour l'occasion des alliés inattendus. Revenons sur cette histoire. Tunisiano, merci de nous rappeler la chronologie des faits. Très bien. Du rire aux larmes, gravé dans la roche. On n'a pas sorti les armes, juste parlé à nos proches. Pour les grands et les mioches, les beaux et les moches. On n'a pas quitté le port, juste un peu rempli nos poches. Ray, nos morceaux en rotation sur les ondes. Et on graille, attention, nos concerts sont noirs de monde. Y'a de l'ambiance, de la femme et peu d'ennui. On a vu venir nos fans, mais pas vu venir l'ennemi. Cette unité radicale devenue identitaire en vérité, qu'aimerait nous ôter nos cartes d'identité. Ce qu'ils scandent et cendrés, on fait la guerre à des rêves derrière un clavier. Leur propagande est sur le web, ils parlent de libérer la France de cette islamisation. Appel à brûler les mosquées et à la mobilisation. Ils ont repris nos textes, mais déformé nos propos. Sorti les phrases de leur contexte en nous traitant de fachos. Ils s'acharnent, ils insistent, mais que dire, que faire? Nous sommes traités de racistes par les gosses à Hitler et futur nazi, allergique à la couleur. Assis à l'extrême droite, vos discours a fait fureur. Et jeune crapule, votre leader a des cornes, car Jean-Marie vous manipule. Vous avez dépassé les borgnes, vous portez sa haine et sa foi de damné. Vous vivez dans la peine, caché derrière une croix gammée. La France est une farce et on s'est fait trahir. Tu sais, ils ont tenté de nous salir. Oui, moi j'ai parlé de garce, notamment de la France. Ils m'interdisent de dire en face, mais t'inquiète, je le pense. Accusé d'inciter à prendre les armes, et ce texte n'était qu'un signal d'alarme. Messieurs, comprenez le sens de notre discours. Ne pas confondre un appel au meurtre et un appel au secours. Très intéressant. Dommage qu'on n'ait pas plus entendu votre analyse dans les médias. Ouais, mais tout de même, pour que nos auditeurs comprennent bien la portée de vos mots, pouvez-vous nous dire quel est le rapport entre ce groupuscule et le ministre d'État, M. Nicolas Sarkozy? Quelle est la suite de ce sombre dossier? Puis ils se sont mobilisés, même organisés, appelant leurs militants à militer et à nous mépriser, nous traitant de frisés, balançant leurs tracts dans nos concerts. Ils disent que notre rap fout le cancer, ils parlent d'appel au meurtre, mais arrêtez vos conneries, leur réseau est celui de Maxime Brunnery. Oui, moi j'ai parlé de ministres, mais les mots ne sont pas des actes. Pourtant eux ont voulu fumer Chirac. Mat, sur chacune de nos dates, ils se changent en détracteurs, s'en prennent aux spectateurs, même aux organisateurs. Ils font signer leurs pétitions en série qui serviront à mettre la pression en mairie. Puis les voici débouler, ça en devient délicat. Épaulés par la police, enfin un de leurs syndicats, là les Schmitt réagissent, nous voici dans leur lignée. Ils se disent indignés et veulent aussi nous assigner. Là tout se précipite, quel formidable gâchis. Eux nous traitent d'anti-flics, ils s'en plaignent à leur hiérarchie. Menés par le bout du nez, manipulés par des fous. V'là qu'une députée s'en mêle pour faire une pierre de coups. Tombée dans un piège à loup, tendue par l'extrême droite. Elle aurait pu s'en écarter, mais n'a pu se ronger la patte. Leur acte ont déteint sur les flics qui sont montés au créneau. Leur syndic à Morano et de Morano à Sarko. La France est une farce et on s'est fait trahir. Tu sais, ils ont tenté de nous salir. Oui, moi j'ai parlé de garce, notamment de la France. Ils m'interdisent de dire en face, mais t'inquiète, je le pense. Accusé d'inciter à prendre les armes, et ce texte n'était qu'un signal d'alarme. Messieurs, comprenez le sens de notre discours. Ne pas confondre un appel au meurtre et un appel au secours. Laissez-moi résumer. L'affaire Sniper, comme on dit à la télé, prend donc racine, si j'ai bien compris, grâce à des activistes d'extrême droite qui engrainent une députée UMP et ça passe de Morano à Sarko. Exactement. On pensait ce traitement de choc réservé à des terroristes alors que vous êtes des artistes en colère. Le monde à l'envers. Ouais. Mais comment cette lamentable histoire s'est-elle donc terminée? Puis nous sommes traités de racistes, salis dans le JT. Ils parlent même d'antisémitisme, juste histoire d'en rajouter. Là les médias rentrent en piste, nous attaquent ou nous flattent. Ils insistent parfois, afin de mieux nous abattre. Nous sommes forcés de nous défendre, pour pas finir à l'abattoir. Nous répondre à ces accusations qui sont diffamatoires. Va savoir à quoi cet acharnement est dû. Ça ne serait pas la même histoire sans ce temps de disques vendus. Tant de tracas,
tant de comparutions, tant de frais d'avocats, tant de juges d'instruction, forcés d'annuler la tournée, squatter le banc des accusés, coupables de penser ou d'être un groupe à succès. C'est vrai, nos mots sont durs, mais en rien illégaux, vous voulez qualifier d'impurs, car ils ne flattent pas votre ego. C'est juste un cri de colère d'un jeune au bout du rouleau qui en veut à la terre entière, car il est mal dans sa peau. Au lieu de changer de vocabulaire, il le dit avec ses mots. Au lieu d'aller foutre la demeure, il préfère prendre un stylo. Il est choquant, mais il n'a d'autre solution. Il emploie des mots violents afin d'attirer l'attention. Monsieur le ministre, oui, nos paroles vous déplaisent, mais que dire de celles de la Marseillaise? En désaccord avec la jeunesse que vous préférez faire taire, je peux comprendre que la vôtre est sûrement identitaire. La France est une farce et on s'est fait trahir. Tu sais, ils ont tenté de nous salir. Oui, moi j'ai parlé de garce, notamment de la France. Ils m'interdisent de dire en farce, mais t'inquiète, je le pense. Accusé d'inciter à prendre les armes, et ce texte n'était qu'un signal d'alarme. Messieurs, comprenez le sens de notre discours. Ne pas confondre un appel au meurtre et un appel au secours. On n'est ni antisémite, ni raciste, ou ni anti-blanc. Nous, on dénonce juste un système, en point c'est tout. Nous, dans nos têtes, c'est quoi? C'est noir, blanc, jaune. Maintenant, il y a des cons partout. L'essentiel, c'est qu'on ne vous aide pas et que vous êtes en paix. C'est une farce et on s'est fait trahir. Tu sais, ils ont tenté de nous salir. Oui, moi j'ai parlé de gaz, notamment de la France. Ils m'interdisent de dire en face, mais t'inquiète, je le pense. Accusé d'inciter à prendre les armes, et ce texte n'était qu'un signal d'alarme. Messieurs, comprenez le sens de notre discours. Ne pas confondre un appel au meurtre et un appel au secours.